Yo tout le monde, c'est Yanis 2050. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau petit jeu, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle Glove Love Général. Donc un petit jeu de qui représente bien la première ou la seconde guerre mondiale. Je vais tout ouvrir ça, la seconde guerre mondiale. On va commencer avec le 4-6. Pas de conneries, c'est voilà. Tout ce qui est nazi. Donc on va lancer. En gros, c'est vous gérez une armée, vous avez aussi des alliés bots. Et vous devez conquérir la base des autres. Vous avez votre général. Et quand un de vos véhicules tue un ennemi, il monte en grade aussi, faut savoir. Donc il y a plus de dommages. Donc, blablabla, on y va. Peut-être que les actions, avec les actions, vous comprendrez mieux. On a aussi, regardez, vous voyez, ils ont des petits trucs comme ça, parce qu'on peut le faire construire. Donc vous avez. Comment ça s'appelle ça déjà? Oh, c'est comme ce truc là, en gros. Ça attaque, ça fait des grosses attaques, des attaques puissantes. Mais pour ça, il faut que le véhicule il soit blindé, ça soit un tank ou un véhicule. Si c'est un personnage comme ça, bah voilà. Ou il faut aussi qu'il fasse plus de dégâts que lui. Ensuite, vous savez ça, c'est comme celui-là, mais en gros, c'est des mecs avec des mitrailleuses. Et celui-là, qu'il fasse plus de dégâts ou moins de dégâts, qu'il soit. Dans un véhicule ou pas, il attaque. Ça, c'est pour voir plus loin. Ça, c'est pour prendre moins de dégâts. Et ça, c'est des anti-aériennes. Ensuite, vous avez donc votre général ici, voilà. On est dans un medium tank. Donc, on va le faire avancer. Tac. De base, ce tank-là va monter en grade, on va vite le savoir. Ah bah non, c'est bizarre. Peut-être que c'est parce qu'il a pas fini. Je sais pas. Je crois que c'est le mien qui est monté en grade. Moi, j'ai pas fait gaffe. Faut savoir que si vous attaquez avec ce véhicule, enfin, cette arme-là, ouais, ce véhicule, quoi. Sur ça, il faut savoir que la grosse tour, là, qu'ils ont construit, donc ça, va nous attaquer de loin. Et peut nous faire plus de dégâts. Ensuite, vous avez les usines. Il y a le level 1, ça s'arrête à ça. Le level 2, vous avez ça et ça. Et le level 3, du coup, vous avez le lance-missile et le tank level 3. Après, vous avez votre ville. Je peux vous montrer, voilà. Ça, c'est la ville max. Donc, on peut faire des tanks, des troupes armées, des troupes avec le truc, là, l'obus. La voiture pour aller plus vite. C'est genre comme ces deux-là, mais juste pour aller plus vite. Le tank et la voiture. L'automitrailleuse, voilà. Donc comme on peut le voir, on en a aussi en bas, on va monter je pense. Franchement la première mission est facile, donc on va y aller comme ça, voilà. Voilà, pour vous montrer, voilà, j'ai acheté des troupes. Là je vais acheter un petit tank. C'est pas un tank là. En gros pour eux c'est ça, mais vu qu'on n'est pas dans la même chose, bah on va pas aller. Donc, ça c'est bien sûr le... L'artillerie. Fils d'artillerie. Bon, on va appeler ça des mortiers, ouais. C'est me casser la tête. Je me connais pas trop en truc. Je connais char, tank, automitrailleuse, infanterie, bateau de guerre, sous-marin, porte-avions aussi. Comme le porte-avions Charles de Gaulle. Ouais. Je connais pas grand chose. M'en veillez pas sur. J'essaye de faire mon mieux déjà. Donc on va essayer d'avancer un peu. Donc comme on peut le voir, le côté droit c'est le côté ennemi. Donc voilà, tout ce qu'on doit conquérir. Ensuite vous avez notre côté, celui qui est de gauche. Là on se fait pas conquérir du tout, on est allé manger. Et du coup de base eux aussi ils ont un chef. Hein. Et le but de ce jeu c'est de prendre toutes leurs trucs, toute leur production de ressources ou leur production de troupes. Et éliminer leur véhicule et leur troupes. Vous voyez, ils viennent de monter en grade. Il y a aussi un petit truc avec un truc qui va vers le haut. Voilà. Comme vous avez pu le voir, ça a bien fonctionné. Pouf, on va les éliminer. Tu montes pas en grade, c'est pas grave. Tu viens de poser là. On va faire un blocus. Clac. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais rien. Bah ouais, logique.
Tac, voilà, ils sont en train d'avancer. Donc leur chef, il était là-bas, si vous avez bien vu. Donc nous, on va continuer à avancer. De base, on devrait prendre moins de dégâts. Oui, on a eu une médaille, c'est d'art. Voilà. On va le placer ici. Voilà. Je baisse un truc, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, en même temps, on s'en fout un peu. Du coup, bah, on va laisser aller le prendre, mais on va juste monter. Mais ça, c'est... Quoi, ça? Je crois que c'est ça, hein. Entranchement. Attends. Dommage, armored. En gros, tout ce qui est de ce type-là, quand ils sont dans ça, ils font beaucoup plus de dégâts au bateau. Et vos troupes... Armored. Et ça protège plus les groupes que je crois. Si on a aussi à traduire. Ah, c'est ça, c'est juste qu'ils disent ouais, les troupes blindées comme le tank, un truc comme ça, bah ça fait moins de dégâts. Moins de dégâts peut-être. Alors, ceux qui font anglais, veuillez me pardonner s'il vous plaît, si vous entendez la merde que je dis. Je suis vraiment désolé. Comme vous pouvez le voir, vu qu'il y a des antiaériennes, je pense que vous doutez du coup qu'il y a des avions. Hein. Bah oui, il y a des trucs là, j'ai oublié comment ça s'appelle, des aéroports. Donc je sais pas s'il y en a sur cette map. Il me semble pas. Non, je pourrais pas vous montrer du coup. Parce que je vois pas tout simplement où il est. Ça se trouve, il y en a pas tout court. Voilà, regardez. Il m'a attaqué. Mais malheureusement pour lui, je l'ai défoncé. Bon, y a pas d'aéroport, mais en gros, vous pouvez aussi dire à des avions, ouais, va explorer là-bas. Vous pouvez aussi leur dire, ouais, va canarder eux. Des trucs comme ça. Donc, un jeu vraiment très complet. Aucune pub. Donc, sur ça, vous pouvez être tranquille. Totalement gratuit. À moins que vous soyez sur DS et que vous vous faites douiller comme moi. Ouais, je me suis fait pigeonner. 4€ je crois. Non, 2€. J'ai pigeonné 2€ quand j'étais gosse parce que j'ai kiffé ce jeu, je l'ai acheté comme un con. Ah bah si, regardez là, il y a un aéroport. Bien sûr, un aéroport. On va pas vraiment voir l'aéroport. Mais bon, il rapporte 8 pièces d'aéroport, donc on peut faire des. On peut pas se soigner, voilà. Et voilà, je vais redonner ma vie. Ouais. Tac. Ils sont foutus, bien sûr, hein, voilà. Je vais pas vous faire un dessin non plus. Là, de base, peut-être qu'ils vont les terminer. Ah bah non, toujours pas. À nous l'honneur de les finir, les gars. Et pouf. Et voilà. Donc ça, ce n'est que le début, bien sûr, parce que le reste des missions sont vraiment dures, en sachant que je suis pas le meilleur stratège du monde. Voilà, du coup, après, vous avez Headquarter. On a bien amélioré le personnage. Vous pouvez régler vos options, ce qui est assez basique, qui est normal. Le tutoriel, le Legion Mode pour avoir toutes les missions. Et vous voyez, ça c'est celle qu'on vient de faire. Mais il y a beaucoup pire. Genre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour que vous ayez un petit avant-goût de ce qu'on va goûter. Ça, c'est les Axis. Hein. Là pour l'instant, on est tout ce qui est dans les nazis et tout. Et tout ce qui est rouge. Et après, juste en dessous, là, on va être bleu, je crois. Ah non, peut-être qu'il sera toujours rouge. Voilà ce qui nous attend. Donc voilà, voilà. La campagne, pour l'instant, on l'a débloqué. Warzone. Voilà, les gars, j'espère que cette petite vidéo sur ce nouveau petit jeu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire comprendre en commentaire et avec vos petits pouces bleus. À vous abonner aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Prochaine vidéo sur BS, je crois que j'en ai même fait une. Ah bah je vais l'envoyer juste après celle-là. Juste avant celle-là, pardon. Bon bah moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye les gens.
Portez-vous bien. Like a Hellcat.